Allez, salut à vous et bienvenue. Je pense que là on est vraiment au dénouement du jeu. Je dois éteindre le projecteur de diapositive. Et je pense que le jeu Ma sera. sœur faisait ce rêve. Et le monde entier Où est ce rêvait. projecteur? Elle s'était persuadée qu'elle était éveillée. Elle a toujours été têtue. Où est Je le savais que je projecteur? devais mettre fin à son rêve. Je devais la réveiller. Je devais arracher le poster qu'elle regardait sans cesse. Découper ses On va essayer pensées. d'avancer dans ce... Ce qu'elle voit. Pour le moment, j'avance. C'est déjà bien. Est-ce qu'on y est là? Il est là. Le projecteur est là. On éteint tout. Je sais qu'il est toujours quelque part. Enfermé. Je le sais parce que c'est ça qui s'est passé. Donc Loïs a essayé de prendre contrôle de notre esprit, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais là on va essayer d'aller secourir notre frère qui est toujours pris. Préparez-vous à un accroissement de vos pouvoirs. Merci bien. Ah ouais, je one shot tout le monde, j'ai l'impression. Ah oui. Ah oui, c'est du one shot là. Ils sont level combien? Level 30 et je les one shot. Très bien. Bon, continuons à avancer. Ah, faut peut-être que je les bute tous avant qu'il y ait des nouvelles plateformes. Ou alors est-ce que je vais à l'extrémité et il y en a des nouvelles qui apparaissent? Non, faut que je les bute. Oh, je pense que la surenchère de mob, elle est là. Eh bande de chacal, venez là. Ok, ils vont nous montrer tous les mobs du jeu. Il y en a combien qui vont arriver? C'est bon, plus de musique. Peut-être une plateforme va apparaître. Oui, les plateformes apparaissent devant. Très bien. Jusqu'à arriver à la pyramide noire. Pyramide inversée de couleur noire. Ok. Je vais essayer d'avancer au plus vite.
Saloperie. Ok, les plateformes sont là. Je fais vraiment des gros dégâts là. Eh ben dis donc. Où je peux aller sur la plateforme là? Vraiment que je les bute tous, j'ai l'impression. Ou alors on va prendre les escaliers de ce côté. J'ai cru voir un mob ici. Venez là. Bon, dans sa conception, le jeu est quand même assez répétitif. Alors. C'est bon ou c'est pas bon? Non, il y a un gros ici. Putain, mais ça arrête pas sans déconner. Combien, sérieux, combien va en avoir? Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Ok, c'était la dernière. Normalement. Parce que là, c'est clairement des plateformes qui te dirigent sur le sommet de la pyramide. Et on rejoint le frère qui est possédé. Il est possédé. Dylan est dans le coma.
Je ne sais pas s'il reste quoi que ce soit de lui. Ou s'il arrivera à retrouver son chemin. Le portail a été refermé. Mais le Hiss est toujours dans l'ancienne maison. Et le verrouillage ne sera pas levé tant qu'il restera une trace. Nous travaillons sur une solution avec l'équipe de direction, mais il reste encore beaucoup à faire. Je suis la directrice du Bureau fédéral de contrôle. Ça nous concerne tous. Vous. Bon, il laisse clairement planer le doute sur une suite. Et là, c'est vraiment la fin. En tout cas, c'était pas mal le coup de la fausse fin, là. On te faisait croire clairement que tu avais fini le jeu. Parce qu'il y avait une grosse horde de mobs qui arrivaient sur toi. Ou plutôt, tu allais vers eux et tu libérais en même temps le polyèdre. Et au final, tu... Tu es surpris parce que c'est une fin un peu bizarre, parce que le Hiss prend contrôle de ton esprit et au final non, le jeu continue, tu essayes de sortir de cette emprise et tu essayes d'aller sauver ton frère qui au final reste dans le coma. Bon, tu arrives à le sauver, le Hiss n'est plus en lui, mais il est quand même dans le coma, tu restes directrice du bureau de contrôle et... Et il te laisse vraiment planer le doute sur une suite. Alors, je vais zapper, je vais l'accélérer, le générique, on ne sait jamais. On pourrait avoir une petite scène cinématique. On verra bien où je passe. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis habillé en directrice cette fois. Mais le jeu continue. Vous êtes la directrice du bureau de contrôle. La crise n'est pas terminée. Votre travail n'est pas terminé. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pour toutes les quêtes annexes? C'est ça? Shawshank Redemption, c'est le titre du film auquel je pensais tout à l'heure. C'est pas important. Mais c'était ça. D'accord, en fait, on te dit de faire les quêtes annexes. On te demande, voilà, les missions... Contre-mesure, préparation de mission, corvée de frigo, tout ça c'est les quêtes annexes. Donc tout ça c'est fait, mission accomplie 11. Examiner le caisson à rayon X. Ok. Bon, bah écoutez, c'était quand même pas mal. Hein. Le gameplay est intéressant. Y a beaucoup de pouvoirs surnaturels qui rendent le jeu très sympathique à jouer parce que ça donne une forme de gameplay, une mécanique de gameplay donc qui t'incite à utiliser tes pouvoirs. Et en même temps, il y a des phases de shootgun classique qui rendent le jeu assez nerveux. Le scénario est quand même assez prenant, même si tu as du mal à comprendre. Et dans ton incompréhension, tu as envie de savoir ce qui se passe. Et tu as envie de comprendre par la suite. Donc, ça reste un jeu intéressant. Peut-être pas le meilleur que Remedy ait fait. Mais ils sont souvent dans ce genre de jeu, en plus, Remedy. Hein, parce que le succès d'Alan Wake les a dirigés dans ce sens-là. Et je me souviens que Quantum Break, c'était un peu plus scientifique et non surnaturel. En tout cas, ça me donne bien envie de faire Alan Wake, un jeu qui pourrait être dans la même lignée, j'ai l'impression, puisqu'il y a un DLC qui associe ce contrôle et Alan Wake. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce Let's Play complet de contrôle. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure. À plus dans le bus et à bientôt dans le métro.